Bien, bonjour à tous. Bienvenue sur la page Facebook de La Pêche et les Poissons. On est ravis de vous accueillir pour ce premier salon virtuel. Il y aura plusieurs salons virtuels organisés par La Pêche et les Poissons pendant un mois. On va aller chez les plus grandes marques en France. On est chez Fish aujourd'hui qui nous accueille. Clermont, c'est fermé. Nantes, voilà, c'est annulé également. C'est reporté à 2022. Eh bien, on vous emmène directement chez les grandes marques pour qu'elles puissent vous présenter leurs nouveautés. On est ravis de le faire en premier avec la jeune équipe de Fish. On est dans le Finistère, on est à Guy Pava, et je vais vous laisser vous présenter. Mais si nous sommes avec Louis Leveuf et Clément Hermans. On commence par Clément. Clément, ça fait combien de temps que tu es là? Qu'est-ce que tu fais chez Fish? Alors, enchanté, bonsoir à tous. Je suis arrivé en juillet chez Fish pour m'occuper du commerce sur la partie France. Voilà, j'ai passé une dizaine d'années à travailler avant dans les magasins de pêche. Passionné de pêche, un peu tout type de pêche, eau douce, mer, exo, du bord, en bateau, en kayak. Dès qu'il y a des écailles, ça m'intéresse. Ouais, ok. Et alors lui, pour le coup? Eh bien, moi, je m'appelle Louis, donc je suis chef de projet chez Fish. Je suis arrivé il y a maintenant presque 3 ans et je suis arrivé ici après un parcours, on va dire, un peu plus ingénieur matériaux. Donc, ingénieur matériaux, matériaux plastiques, puis après une thèse dans les composites. Je travaille quelque temps dans l'aéronautique et je suis arrivé chez Fish pour toutes ces compétences-là et aussi en tant que pêcheur depuis toujours. Bon, moi, c'est Nicolas, du coup, Nicolas Bensussan. Je travaille à la pêche et poisson depuis une quinzaine d'années maintenant et voilà, notamment sur la page Facebook. Et c'est aujourd'hui, donc ce soir, qu'on vous présente voilà, ce premier salon virtuel. Il y a des choses à dire sur Fish. On a le Blast. Blaster Shad à vous présenter, on a des cadeaux à vous faire gagner, des Blaster Shad à vous faire gagner. D'ailleurs, on peut lancer déjà un premier jeu. Alors, ce ne sera pas pour le plus rapide, ce sera pour, voilà, je sélectionnerai un des commentaires qui aura la bonne réponse. Je vais vous demander, que signifient les 3 I de Fish? Voilà, je vous laisse un petit peu chercher. Il y a une signification, on n'a pas choisi 3 I comme ça par hasard chez Fish. Donc, je vous laisse regarder et puis vous mettez ça en commentaire. Et puis voilà, celui qui aura la bonne réponse, eh bien, on lui fera gagner un des Blaster Shad à une nouvelle heure 2021 qu'on va vous présenter dans quelques instants. Juste, messieurs, on a quand même ouvert la porte de chez Fish et on va regarder la petite visite des locaux. Hein, on a pu tourner quelques images. On est à Guy Pavas. Fish, faites ses 10 ans cette année. Vous n'étiez pas là au début, mais voilà. C'est une entreprise qui est très implantée dans le Finistère, en Bretagne, etc. etc. quoi. Il y a un ancrage local qui est très profond. Oui, depuis toujours. Alors maintenant, on va bientôt avoir 11 ans. Ça fait 10 ans, 10 ans l'an dernier. Notre 10e année s'est écoulée. Donc, Fish est né sur la pointe bretonne, mais un peu un mélange entre le sud Bretagne, du côté de Noirdenais, et ici, avec la naissance du Black Minnow, qui a été créé par Mathieu Guénal. Mmh. Qui n'est pas présent avec nous ce soir, mais qui a commencé à créer ça en fait dans son garage pour aller à la pêche en kayak à l'époque. Et vu que son leurre marchait bien et que du coup, il y avait de plus en plus de demandes au bord de l'eau, et vu que son frère était dans le commerce international avec une liaison forte en Chine, il y a une histoire en fait franco-chinoise qui s'est mise en place et qui a mené à la création de Fish. D'accord. Donc voilà, c'est une histoire bretonne. On découvre vos locaux, on voit travailler là, par exemple, dans ce petit bureau. Et puis alors moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est vos entrepôts. C'est assez grand, c'est propre, c'est clair. Il y a des murs orange pour l'inspiration, hein, des couleurs de l'heure, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt sympa. J'imagine qu'on prend du plaisir à travailler pour Fish. C'est un peu un job de rêve, non, Clément? Oui, travailler dans la pêche, déjà, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. On l'apprécie chaque jour. Alors après, en plus, travailler pour Fish où on développe les leurres ici à Brest, le cadre est vraiment magnifique. Les produits sont intéressants et voilà, une jeune marque. Et alors là, on est dans l'entrepôt ici, on voit tous les Black Minnows, je n'en ai jamais vu autant, c'est impressionnant. En fait, vous les réceptionnez ici et puis vous les envoyez vers les distributeurs en France, c'est ça? Ça va même un peu plus loin que ça, parce que le Black Minnow est même monté en France. Donc on reçoit le leurre et les âmes qui sont fabriqués chez VMC, chez nos bons amis VMC, du coup, dans l'Est de la France. Ça me semble arrive ici et le montage est fait principalement dans les ESAT autour de chez nous, donc anciennement appelé les CAT. Donc, d'accord. Il y a quand même une grande partie du montage des leurres qui est fait ici. D'accord, ok. On a des entrepôts comme ça. Et puis, il y a tout au bout là, il y a une salle dans laquelle je n'ai pas eu le droit d'entrer. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette salle? C'est un bureau de recherche et développement, je crois, c'est ça? Il y en a même deux. Il y en a deux, c'est vrai. Voilà. Il y en a deux, oui, c'est nos espaces R&D ici. C'est là que en fait, tout prend naissance, on va dire.
Donc, il y a pas mal de travail derrière l'ordinateur au niveau des designs, au niveau de tout ça. Mais après, il y a tous les prototypes qui sont réalisés ici sur place. Donc, avant de vous proposer un leurre, à chaque fois, il y a plusieurs années de développement et il y a surtout un nombre de versions avant qu'on soit pleinement satisfait qui est assez impressionnant. D'accord, ok. Donc, tout est fait ici, là. Très bien. Bon, je vois en tout cas qu'il y a déjà plusieurs réponses pour les trois I de Fish. Vous connaissez la bonne réponse ? Ouais ? Non ? Ouais. Ouais, je vous pose un piège ? Non, c'est bon. Instinct, innovation, intelligence. Je crois qu'on a quelques bonnes réponses. Il y a Benjamin Monnier qui pensait que c'était les trois personnes qui avaient créé l'entreprise. Ce n'est pas le cas. Fabien était d'ailleurs dans cette idée également. Ce n'est pas le cas. Mais tiens, on va prendre. Allez, Yann. Yann Bénard, instinct, innovation, intelligence. Ah, on n'a pas tout. Innovation deux fois. Alors, on va prendre la réponse suivante. Alexandra Collin, voilà, qui est la bonne réponse. Instinct, innovation, intelligence, et qui va gagner un Blaster Shad. Il y aura d'autres Blaster Shad tout au long du live à gagner. Donc, restez bien connectés. Et puis, bah, de temps en temps, on essaiera de vous faire gagner des leurres. Et alors, ce Blaster Shad, vous allez, messieurs, me le présenter maintenant, si vous le voulez bien. Parce que c'est la grande nouveauté. Il est sorti dans le commerce il y a quoi ? Deux mois ? Deux, trois mois ? Début décembre. Voilà. Il y a encore moins longtemps. Et voilà, c'est un leurre un peu révolutionnaire, j'ai envie de dire, parce qu'on n'avait pas vu ça avant. Et ça prend du brochet. Je vous laisse vous le présenter. Clément, je laisse l'honneur. Ouais. Le Blaster Shad. Donc, ouais, le leurre. C'est un leurre qui a été développé par Louis et par Mathieu. Et Jérémy, toute la partie recherche et développement. On a un leurre qui est composé de deux parties, une tête avec des lestes réglables. Donc on a quatre blocs qui vont dans la tête. D'ailleurs, celui-ci, ouais, c'est celui qui a pêché. C'est un leurre qu'on a eu l'honneur de présenter dans la pêche et les poissons du mois d'octobre, je crois. C'était un peu une exclusivité, donc on était déjà très très content de l'avoir. Et d'ailleurs, on aura une autre exclu. Je vous donne déjà rendez-vous à la fin de ce live. On va vous montrer. Ils ont pris froid les leurres. On va vous montrer un nouveau leurre en préparation chez Fish. Donc restez bien connectés parce qu'il y aura une exclu mondiale, on peut le dire comme ça, à la fin de ce live. Donc on a des blocs dedans, soit en zinc, soit en plastique, sans plomb. Là, on va avoir une tête en double coque ABS. C'est ni plus ni moins un leurre dur, avec un corps souple qui vient derrière. La tête en dur permet une meilleure pénétration dans l'eau. On retrouve un paddle qui est une signature chez Fish maintenant, qui est un paddle inversé. La caméra est bien à la gauche, là, voilà, ici, comme ça, on la voit bien. Parfait. Paddle inversé qui permet une action à la descente. En fait, il y a beaucoup de leurres qui ont beaucoup. Enfin, on a remarqué dans les tests que les leurres avec une paddle inversée nageaient beaucoup mieux à la descente, ce qui fait que le leurre, il est plus pêchant. Au global, dès qu'on l'arrête, il pêche mieux qu'un leurre avec la paddle, comme notre Black Minnow avec la paddle qui va vers le bas. Alors, souvent, on a cette question qui revient, pourquoi il y a les paddles inversés ? C'est vraiment pour l'action à la descente, ça fait vraiment la différence. Il y a vraiment ça, il y a aussi le côté, la nage qui est vraiment immédiate, très réactive. Ouais. Et ça s'explique assez facilement en fait, parce que quand vous avez votre leurre là, qui va nager, il y a le flux d'eau qui va arriver, qui va tendre la paddle, qui va se mettre en action. Mm-hmm. Si maintenant, vous mettez le leurre, en fait, comme on voit plus classiquement, l'eau va arriver, elle va pousser sur le bas de la paddle, ça va tordre le leurre, puis il va se mettre à nager. Et donc, le temps que ça fasse ça, bah déjà, c'est du temps où il ne va pas nager. C'est aussi un moment qui fait que ça va vraiment bananer le leurre et ça fait qu'il va falloir le faire avancer plus vite pour qu'il nage, pour qu'il se mette en nage. Alors que là, avec cette histoire de paddle inversé, vous avez vraiment un leurre qui va nager à chaque étape de la pêche. Mmh. On va mettre une petite vidéo de présentation en même temps. Hein. Comme ça, on verra vraiment l'action de nage et puis bien présenter ce leurre. Voilà. Donc, on voit effectivement les players blocks pour jouer sur le poids du leurre. En fait, c'est un leurre qui varie de quel poids à quel poids à peu près. On peut rajouter entre 0 et 12 grammes, c'est ça, on peut dire. Oui, voilà. En fait, ce qu'on a cherché à faire, c'est de faire le leurre le plus polyvalent pour la pêche du brochet. Quand on va pêcher le brochet, on peut soit le trouver dans des zones un peu profondes, dans 2, 3, 4 mètres d'eau, parfois un peu plus. Soit on va le trouver dans les bordures d'herbier, dans très peu de fond. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'avec un seul et même leurre au bord de l'eau, on puisse rapidement changer la profondeur de nage, mais aussi la vitesse de récupération, parce que c'est un autre facteur important pour la pêche du brochet. D'accord. Donc, en fait, en jouant avec les mass-slots qui sont dans la tête, on peut passer d'un leurre qui est complètement weightless
C'est pour ça qu'on dit zéro. Donc là, on a un leurre weightless qui va pêcher sous la surface ou même on peut utiliser en léger buzzing sur la surface. Là, dans 20 cm, 30 cm d'eau, ça suffit pour le faire passer. Et pour autant, si vous mettez toutes les masselottes de 3 grammes qui sont en zinc, donc on n'a pas de plomb dans ce produit-là, vous allez pouvoir pêcher plus ou moins profondément selon la vitesse de récupération. D'accord. En pêchant très lentement pour les pêches hivernales, là, dans les gravières du bord, vous arrivez à descendre jusqu'à 8 mètres de profondeur avec cette configuration-là. D'accord. Donc, okay. On a vraiment fait ça, en fait, pour qu'avec un seul et même leurre, on puisse pêcher le brochet dans toutes les conditions. D'accord, je comprends. Effectivement. Il existe en 4 coloris pour l'instant, c'est ça ? Voilà, 2 tailles, 4 couleurs. Alors, les 2 tailles qu'on a choisies, c'est 13 et 16 cm, parce que c'est celles qui sont le plus utilisées pour la pêche du brochet. Et c'est aussi les tailles les plus polyvalentes. On est sur des leurres qui ne sont pas trop lourds et qui, pourtant, pour autant, proposent une belle bouchée. Mm-hmm. Avec 4 couleurs, on a essayé de faire un panel de couleurs qui permettent de répondre à toutes les conditions. Donc, on a notre kaki, qui est vraiment très connu. Ça, ce sera à l'autre caméra, voilà, qu'il faudra le présenter. On a l'autre kaki qui est très connu, auquel on a fait des paillettes rouges, parce que pour le brochet, bon, c'est un petit secret que beaucoup de pêcheurs connaissent. On a un autre coloris qui est vraiment très classique, c'est le Fire Tiger, voilà, très UV, avec des larges bandes noires, et donc qui donne vraiment d'excellents résultats. Déjà, chaque tête, en fait, correspond à une couleur aussi. Il y a des têtes différentes selon la couleur du leurre. Comme sur tous nos combos. Ah, d'accord, ok. Et chaque tête est transparente, ce qui permet de voir la configuration qui est utilisée en bourre de pêche. Le nombre de cales qui sont dedans. D'accord, ok, tiens, regarde, on va passer sur l'autre caméra, on verra sans doute beaucoup mieux. Là, ça, c'est la couleur Sexy Brim qu'on a développée spécialement pour les eaux acides, pour les eaux tourbeuses. Donc, c'est une des couleurs que nous, on a beaucoup utilisées en prototype tout le long de la phase de test. C'est peut-être en ce moment qu'on peut l'utiliser aussi, non ? Il y a beaucoup d'eau teintée. C'est pas forcément les eaux teintées, c'est vraiment les eaux qui vont être tourbeuses. Donc, quand les eaux sont couleur thé noir là, sur les milieux acides, c'est les lacs irlandais qui parlent à beaucoup de monde. C'est vraiment dans ces couleurs d'eau-là que cette couleur-là va se démarquer. Pour les eaux teintées, le Fire Tiger marche très très bien, mais il marche aussi très bien en eau claire. En fait, là, c'est vraiment le leurre à avoir tout le temps. D'accord. Okay. Et on a aussi un coloris blanc, pareil, autre très grand classique pour la pêche du brochet. Celui-là qui est vraiment excellent quand les eaux sont très claires. Donc, dans tous les lacs où les eaux sont très claires, où pour autant le fond est assez sombre, ça c'est vraiment un coloris qui du coup se démarque à ce moment-là. Ouais, le white coco, voilà. C'est ça. Hein. White coco. Certaines journées aussi où le temps est très lumineux, le leurre capte beaucoup de lumière et du coup. Ouais, donc voilà, deux tailles, à chaque fois c'est la même tête qui va sur les deux tailles, donc on a une seule tête pour plusieurs tailles de corps, quatre couleurs pour essayer de couvrir toutes les applications et un système de grammage interchangeable qui nous permet vraiment de pêcher dans toutes les circonstances, peu importe où on se trouve en fait à la pêche. D'accord, on va revoir, je crois qu'il y a bientôt la vidéo qui va revenir sur le montage du leurre, parce que voilà, il y a un petit tour de main à avoir quand même, mais ça reste assez simple. Vous avez mis 5 ans à développer ce leurre, c'est ça, vous m'aviez dit? Oui, c'est un gros programme qui a duré 5 ans avant de trouver vraiment ce produit qui nous satisfaisait pleinement. Donc on est parti d'un leurre, là je le montrerai après la vidéo qui défile. J'ai le tout premier proto, ou en tout cas un des tout premiers protos qui avait été fait. Et donc, On va la montrer tout de suite. On va pas faire du de suspense. Ça, c'est le prototype du Blaster Shad. Voilà, c'est un tout premier proto du Blaster Shad. Donc, on était sur une tête fixe, une petite paddle carrée. Donc, voilà, la touche fish. Il a pris beaucoup de poissons, quand même. Hein, on le voit. Hein, il y a des coups de dents. Et toujours sur la couleur Sexy Brim, comme je disais tout à l'heure. Mais c'était pas encore pleinement satisfaisant. Pourquoi ça vous satisfaisait pas alors, du coup? Ça prenait du poisson, mais pas encore autant. Au point où on le souhaitait. D'accord. Et donc là, on était sur une tête fixe avec un système de plombé. On voulait vraiment ce côté plombé interchangeable. Et ça nous tenait vraiment à cœur. Donc, on était sur quelque chose de pas mal, mais quand même, de là, pour arriver à là, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Ouais, bah oui. Et là, quand on a vraiment mis au point les corps, vraiment, il faut voir le nombre de prototypes qui sont sortis. Ouais. Et c'était très net. La différence qu'il pouvait y avoir, c'était des subtilités. Parfois, c'était l'épaisseur du corps qui changeait. Parfois, c'était juste la grosseur de la paddle. Et un bon leurre dans la même journée, celui qu'on a validé, par exemple, on pouvait faire 15-20 poissons dans la journée avec. Mm-hmm. Alors qu'un qui semblait vraiment équivalent, qu'on aurait pu sortir, on n'en faisait que 3 ou 4. D'accord. Donc, on a vraiment eu la chance de pouvoir pêcher dans des eaux très poissonneuses et de pouvoir comparer, avoir ces vrais stats de résultats-là. D'accord. Sans ça, on n'aurait jamais réussi à mettre au point ce leurre-là qui est vraiment fabuleux. D'accord. Okay. Vraiment, en étant un pêcheur de brochets depuis,
depuis toujours. Comment on l'anime alors, Soler? C'est du lancer ramené tout simple? Ben, il y a beaucoup d'animations possibles. Le lancer ramené tout simple, c'est l'utilisation que font l'essentiel de pêcheurs de brochets. Ça fonctionne très bien. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Je sais que Clément aime bien faire des petites pauses de temps en temps et des accélérations. Lancer ramené avec des pauses et varier au maximum. Justement, j'aime bien varier les vitesses de récupération. Souvent, on a des poissons qui suivent. Et pour déclencher l'attaque, des fois, il faut accélérer, des fois, il faut stopper le leurre. On ne sait pas forcément si on a un poisson derrière le leurre. Souvent, on le découvre quand il arrive au bord. Donc, moi, j'aime beaucoup marquer les temps de pause et vraiment varier le nombre de tours de manivelle que je fais pour essayer d'inciter au maximum les poissons qui suivent. Et puis, il y a une autre animation qui n'est pas tant utilisée que ça sur la pêche du brochet, qui est la pêche type traction, comme on peut voir en mer. D'accord. Où vraiment, on fait des tirées amples. Ouais. Pas trop rapide, et on laisse le leurre redescendre. Et avec cette fameuse action à la descente, là, on arrive vraiment à faire du poisson. D'accord, ça marche mieux quand il y a les player blocks qui sont un peu chargés. Non, non, même ça, pas. Non, même pas. Vide, ça le fait. Avec Mathieu, c'était il y a deux ans maintenant qu'on était vraiment très pris par ce développement-là. On se retrouvait à pêcher avec que des player blocks plastiques, donc vraiment en état weightless, à pêcher dans très peu d'eau, avec beaucoup d'herbiers en période estivale. Et on pêchait vraiment en traction comme ça dans un mètre d'eau. Et c'était impressionnant les résultats qu'on avait. D'accord. On a même eu des résultats avec ce leurre-là dans des gravières, dans les gravières avec l'eau très claire, où en ramenant sur le bord, en fait, on posait le leurre sur le fond à la méthode d'un black bass quand les brochets suivaient. Et le brochet venait cueillir le leurre posé sur le fond. D'accord. C'était vraiment assez impressionnant les résultats qu'on a eus et ce genre d'action qu'on a pu voir. Voilà, donc beaucoup d'applications possibles, mais un simple lancer ramené, c'est vraiment, vraiment efficace. Donc c'est vraiment un leurre qui a. À la portée de tout le monde au final. C'est ce qu'on a voulu faire. Okay. On avait le Black Minnow, qui était vraiment le leurre aussi bien pour les débutants que pour les experts. Et là, on pense avoir réussi à avoir fait la même chose avec le Blaster Shad, qui offre des possibilités infinies et en même temps une simplicité d'utilisation à la portée de tous. Je vous rappelle que vous pouvez commenter en direct sur Facebook. Il y a vos commentaires qui peuvent passer à l'antenne. Il y a Benjamin Bougeu qui nous dit « Moi, une couleur pink, ça lui plairait bien. » Voilà, mais les quatre coloris là existants, j'imagine que voilà, vous travaillez sur d'autres coloris et c'est forcément la nouveauté peut-être en cours d'année ou l'année prochaine qui va arriver. Il y a d'autres couleurs qui vont arriver. Voilà, d'autres couleurs. Là, pour l'instant, vous vendez aussi ça par pack, c'est ça combo, prêt à pêcher. Voilà, en combo, prêt à pêcher. Ouais. J'imagine qu'il y aura les pièces détachées qui seront à chaque fois aussi disponibles dans le futur. Ça va arriver très vite. Ce qui est beaucoup demandé, c'est les corps. On a beaucoup de personnes, le brochet étant un poisson qui a des dents. Ouais. Même si le corps est vraiment fait pour durer, même s'il y a le petit clip qui permet de déboîter l'hameçon triple, là. J'ai pris celui-ci là, qui a pas mal vécu. Donc, celui-là, c'est celui qui me sert pas mal en test, qui a maintenant quelques heures de vol et un bon paquet de poissons. Et voilà, on a quand même, vu que c'est quelque chose qu'on nous demande souvent, est-ce qu'il sera aussi fragile que le Black Minnow? Non, on a vraiment travaillé dessus. On est sur un leurre qui est résistant, qui normalement permet de prendre vraiment un paquet de poissons. D'accord. Celui-ci doit être... d'une trentaine sur. On nous demande un coloris gardon, on nous demande également une imitation de truite arc-en-ciel. Et puis il y a Paul qui nous dit « Salut le blaster, c'est un carnage, j'ai fait mon record cendre avec 80 cm, incroyable, et plusieurs brochets en une journée. » Donc voilà, son leurre a sans doute été ça déjà fait plaisir, leur commentaire. Bien été rentabilisé, effectivement. Et comme son leurre a été sans doute mis à mal, on peut peut-être lui donner un petit blaster chat, on lui en fait gagner un. Ah, Paul, moi, ce sera avec plaisir. Paul, tu gagnes effectivement aussi un blaster shad. Du coup, voilà, comme ça, il pourra prendre d'autres brochets, d'autres cendres, je ne sais pas. Et tu pourras encore les utiliser. On t'envoie ça. Fiche t'envoie ça, en tout cas, et t'offre un blaster shad. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? On a tout dit sur le blaster shad, messieurs? Moi, je voudrais juste un petit éclaircissement, parce que c'est des retours qu'on a eu beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on dit que les player blocks en plastique pèsent 0 g alors que les player zinc pèsent 3 g? C'est tout simplement parce que les player blocks en plastique, ils ont la même densité que le reste du corps. Donc, en fait, quand on rajoute quelque chose en plastique dedans, même si ça pèse moins d'un gramme, ça ne va pas alourdir la tête, donc ça ne va pas entraîner le leurre vers le fond. On se retrouve vraiment avec un leurre weightless. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 0 gramme pour le player block plastique. D'accord. Même si, évidemment, il a un certain poids. Oui, et c'est aussi une des réponses que je voudrais faire pour tous ceux qui nous demandent le poids de la tête vide. Parce qu'on a souvent cette demande-là. Ouais. On ne l'a pas donné explicitement dans le catalogue ou dans nos infos de communication, tout simplement parce qu'avoir une tête vide ou avoir un leurre souple, complet, ça ne changera rien sur la nage. On reste d'accord. Un leurre plastique qui ne sera pas densifié à la tête. Okay. Donc voilà, petit éclaircissement, je pense, qui servira pas mal pour
mieux comprendre pourquoi on l'a présenté de cette façon-là. D'accord, bah très bien. Voilà pour le Blaster Shad, donc la grande nouveauté 2021. On vous en fait gagner quelques-uns tout au long de ce live. Et puis, bah pour ceux qui vont regarder la vidéo en replay, on n'a pas envie de vous oublier. Si vous partagez la vidéo, eh bien, on vous fera gagner aussi des Blaster Shad. Disons que mercredi midi, je regarderai tous les partages. Et puis comme ça, bah, j'en ferai gagner peut-être trois Blaster Shad à ceux qui auront partagé cette vidéo. Je les tirerai au sort, une main innocente. Et puis voilà, ça fait des Blaster Shad à gagner pour celles et ceux qui ont envie d'essayer ce leurre. J'aimerais également qu'on parle, messieurs, du Mud Digger. Que veut dire Mud Digger d'ailleurs? Mud, c'est boue. Digger, c'est quoi? C'est creuser. Ça creuse la boue. Voilà, et, le creuseur de boue, on peut l'appeler comme ça, du coup, le Mud Digger. La petite nouveauté, quand même, 2021, c'est qu'il y a une nouvelle taille. Ouais. Alors, une taille qui n'est pas encore disponible. Mais qui va bientôt arriver. Vas-y, hop, arriver. Voilà. On a pensé à tous les pêcheurs de perches, aux pêcheurs aussi de truites, ouais, qui nous demandaient vraiment un leurre avec une tête fixe. Donc, vu le succès que peut avoir notre Mud Digger en plus grande taille déjà sur la perche, sur le cendre et aussi sur la truite, on a voulu proposer cette petite taille qui va venir compléter la gamme. Donc, 3 têtes plombées, 2, 4 et 6 grammes, qui sont dans les mêmes proportions en fait que les têtes 5, 10 et 15 grammes qui sont sortis sur le Mud Digger 90 initialement, qui permettent de pêcher un peu partout. Et voilà, donc ça devrait arriver le plus vite possible, on espère. Ça va être, on espère que vous serez contents. Le Mud Digger créé en tout cas à l'origine il y a 2 ans et qui a fait, je crois savoir, un joli carton sur la prochaine émission Zander Pro qui sera diffusée sur nos amis chez Canal Gratis. Je sais que voilà, il y a quelques Mud Digger qui ont été utilisés, tout comme le Black Minnow. Et vous avez participé cette saison fiche au tournage de cette émission. Donc voilà, un petit bravo, un petit cocorico en fait. J'avais envie de le dire, c'est sur le même modèle que Perche Pro, Zander Pro au printemps prochain. Voilà, petite précision, on a participé du coup, c'est une collaboration aussi pour Zander Pro. On a participé avec Roadhouse, oui, qui sont nos copains de toujours. Donc on a fait une équipe fiche Roadhouse sur cette émission de Zander Pro justement. D'accord. Voilà, regardez bien, je pense que vous serez épatés par les résultats du Mud Digger. Bon. Qui a bien fonctionné. Après le Mud Digger, on avait envie de faire un petit coup de coup aussi au Black Minnow. C'est l'emblème de la marque. C'est par là où finalement tout a commencé. Le célèbre Black Minnow qui a pris, je pense, tous les poissons du monde. Enfin, à peu près. C'est vrai qu'on peut prendre de tout. On l'a beaucoup utilisé en mer au début. On l'utilise en eau douce maintenant. Et ça prend de tout. Qu'est-ce qu'on ça peut dire aujourd'hui sur le Black Minnow? Quelles sont les nouveautés? Il y a des nouveaux coloris, j'imagine aussi. Et voilà. Comme tous les ans, il y a des nouveaux coloris. Là, on s'est appliqué à faire 2 coloris. Je vais laisser Clément présenter. Donc, il y a un premier coloris avec lequel on a vraiment bien pêché. En fait, au départ, sur le Mud Digger en mer, le coloris Wakajagi. Ouais. Vraiment un coloris pour les pêches en eau claire. D'accord. Et voilà, on avait des très bons résultats avec le Mud Digger. C'est une demande des pêcheurs de faire des nouveaux coloris comme ça chaque année ou parce qu'on ne se dit pas, tiens, je regarde l'arc-en-ciel et je vais faire ce coloris-là parce qu'on ne l'a pas ou... C'est pas que commercial, il y a une vraie demande. Il y a eu beaucoup de changements chez Fish. Aujourd'hui, en tout cas, on travaille sur des coloris qu'on développe vraiment spécifiquement pour un usage en pêche, pour répondre à une attente. On va essayer de recréer une belle gamme vraiment cohérente autour de chacun de nos leurres et faire comme le Blaster Shad, en fait, arriver avec des couleurs qui sont vraiment dédiées à couvrir tous les usages. Et donc voilà, le petit Wakajagi là, c'est vraiment un super coloris pour les eaux claires, pour tout ce qui est fond sableux, sur les fonds à gravillon. Donc dans toutes ces zones-là, c'est vraiment une couleur à avoir. Avec le petit ventre flanc irisé, le petit dos jaune-marron, les petites paillettes cuivre là. Donc ça, c'est vraiment une couleur qu'on a amenée pour ça. Une nouvelle coloris de 2021. Un deuxième nouveau coloris, non, peut-être? Donc... un Electric Blue. Ouais. Voilà, avec, on avait déjà un bleu qui était moins translucide. Celui-ci est un peu plus translucide, dédié à des eaux un peu plus claires. On avait une demande sur une autre nuance de bleu. Et puis celui-ci n'est pas totalement nouveau. En fait, c'est un Electric Blue. Il s'inspire de l'Electric Blue qu'on a fait sur le Black Hill. Et c'est une couleur sur laquelle on s'est basé sur la sardine. On voulait vraiment retrouver la vraie couleur sardine. Donc avec, si on gagne une sardine qui est bien fraîche, elle a un dos en fait qui est gris, tu vois, comme là le dos il est gris,
mais elle a des reflets bleus irisés. Donc, c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire revoir. J'ai changé de caméra au moment où tu voulais présenter le leurre. Alors, donc, voilà, là, on voit bien le dos gris, là, comme une sardine, avec l'irisé bleu. Et un petit ventre un petit peu rosé, toujours. C'est un nacre rosé, une nacre très naturelle qu'on trouve sur beaucoup de poissons. Donc, le Black Eel Electric Blue fonctionne vraiment merveilleusement bien. Donc, on a voulu l'emmener aussi sur le Black Minnow pour compléter le bleu un peu plus pétant, comme disait Clément, là, un peu plus bleu, bonbon schtroumpf, que celui-ci. J'ai envie de partager, j'ai fait une petite erreur dans le partage, mais une petite vidéo quand même du Black Minnow, parce qu'on ne s'en lasse pas, en fait. Donc, la voici. Voilà, comme ça, on va revoir, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas tout à fait encore le Black Minnow, ce fameux leurre universel qui se vend un peu partout maintenant en Europe. Hein, ce n'est pas seulement en France. Hein, aux États-Unis, je crois que vous avez un gros marché également, sur le pourtour méditerranéen. Enfin, voilà. Pas encore ça totalement aux États-Unis, mais... Non, pardon, Royaume-Uni, je voulais dire. Royaume-Uni, pardon. Partout en Europe, même un peu au-delà de l'Europe. Ouais. Ouais, maintenant, on distribue dans une trentaine de pays. Hein, et d'accord. C'est vraiment dans des proportions assez importantes que le Black Minnow est utilisé dans le monde. Ouais. Là, on a vu le système d'attache entre l'hameçon et le Black Minnow, c'est ce qui fait vraiment sa particularité. C'est le système PH2S qui est breveté. Bah, ce système-là est breveté presque mondialement. Ouais. Et du coup, c'était vraiment la vraie innovation du Black Minnow. Même on peut voir aujourd'hui pas vraiment les copies, mais toutes les inspirations du Black Minnow. L'apparition du Black Minnow a créé à elle seule une nouvelle catégorie de leurre. Et je pense que ça peut être la fierté de Mathieu qui a créé ce leurre-là, et aussi la fierté de Fish, parce que en arrivant avec le Black Minnow, on a créé une nouvelle catégorie de leurre qui est maintenant disponible chez la majorité de nos concurrents, inégaler pour autant notre Black Minnow. Il y a la qualité de la nage, enfin, Mathieu et puis l'équipe R&D, mais à chaque fois, les nages sont extrêmement travaillées. Comme disait Louis, pour le Blaster, il y a énormément de versions. Mais chaque leurre aujourd'hui nécessite beaucoup, beaucoup de versions pour trouver toujours la nage, la bonne vibration, ce qui fait la différence en pêche. Faire des leurres qui nagent, ce n'est pas compliqué. Faire des leurres qui sont au-dessus du lot, c'est plus dur. Dorian Paulin qui nous dit Electric Blue, coloris au top, autant en eau douce qu'en mer. Une tuerie, les palettes également. Top la vidéo de Thomas Bertin. Christophe qui vous fait un message sympa. Continuez de produire des leurres de qualité, toujours dans la recherche et l'amélioration. Merci pour ce Made in France. Allez, Christophe, un Blaster Shad. Voilà, bon commentaire sympa, Blaster Shad, je suis comme ça. Non, on va lui offrir un petit Blaster Shad, ça c'est plutôt cool, ces commentaires. On les lit, hein, on voit vos commentaires apparaître. Beaucoup de questions sur le Blaster Shad, justement, on va peut-être y revenir un instant. Il est disponible, le Blaster Shad? Oui, hein, il est disponible. J'avais d'autres questions, j'essaie de vous les trouver. Trop cher le Blaster Shad? Bah alors messieurs, 20 euros à peu près, non c'est ça? Alors le Blaster Shad est au final... étonnamment pas si cher que ça par rapport à toute la technicité qu'on a mis dedans. Il faut voir que sur le Blaster Shad, vous avez une tête. Alors, on a fait le choix de faire une tête, de faire un leurre complexe, mais on l'a justifié pour l'usage. La tête, c'est comme si vous achetiez un leurre dur. On est vraiment sur la même fabrication qu'un leurre dur avec les mêmes éléments, donc avec une peinture, une certaine finition. Ensuite, vous avez le corps souple. Donc, c'est un corps souple quand même qui est volumineux, qui a de la matière, qui du coup a un certain coût. Et puis, même l'armement. Il faut quand même le rappeler, on est sur un armement fabriqué en France d'extrêmement bonne qualité, et tout ça, ça a un coût. Donc c'est vrai que pour le Blaster Shad, on a un leurre qui termine à 20 euros, mais quand on met tous les éléments bout à bout, c'est pas un leurre qui est si cher que ça. Et même l'assemblage est fait en France comme le Black Minnow. Là, on s'en est occupé d'ailleurs pendant le précédent confinement, ça a occupé un bout de nos journées, mais voilà, là après il sera assemblé dans les ESAT. Et juste essayer d'assembler un Blaster Shad chez vous allez voir, ça prend du temps. Et le temps d'assemblage en France, on essaye de faire ce qu'on peut en France. Et du coup, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Mais bon, on est fiers aussi de cette démarche. Est-ce que le Blaster Shad est solide sur le silure? J'aimerais bien le tester. C'est une question de Tom Fishing. On n'en a pas parlé dès la première année pour le lancement. Mais effectivement, le Blaster Shad, c'est aussi un leurre qui marche très, très bien sur le Black Bass et aussi sur le silure. Il y a quelques photos déjà qui traînent sur les réseaux sociaux de silure pris avec. Et vu qu'on a un leurre qu'on a développé avant tout pour le brochet, on n'a pas voulu communiquer directement là-dessus. D'accord. Mais le système armement tête tel quel, il tient au minimum 40 livres. Dans les faits, il tient beaucoup plus. D'accord. Mais après, c'est l'hameçon qui risque de s'ouvrir. Donc, pour toutes les tailles, voilà, on est sur un ensemble qui tient au minimum 40 livres, ce qui permet déjà
de pêcher de vraiment de façon forte. Et pour ceux qui s'attaquent vraiment à des silures qui sont un peu plus costauds, quand on a développé la graffe, là, on a fait en sorte en fait, de pouvoir remplacer ça par un nano brisé plus un émerillon rolling. Donc ceux qui veulent vraiment s'adresser à des pêches très fortes et qui auraient un petit peu peur sur la graffe, ils peuvent remplacer ça par un nano brisé, un émerillon rolling classique et donc vraiment rendre la puissance du leurre infinie. Quoi. Même sans parler de remplacer par un hameçon encore plus costaud pour ces pêches fortes. On en a peut-être déjà parlé. On nous demande un plastique assez particulier pour le plaster chat. On nous demande des explications sur ce plastique. Oui, alors c'est une matière en fait, qu'on retrouve sur certains autres produits de notre gamme. Hein. C'est une matière qui est en partie formulée au Japon et qui est donc injectée. Donc par rapport au Black Minnow qui est coulé, la matière qui est injectée, elle est plus dense, plus compacte et donc elle résiste mieux aux dents des poissons. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire pour ne pas rentrer dans des détails trop techniques, mais en tout cas, voilà, encore, je remonte mon Blaster Shad qui a vraiment vécu, qui a pris du poisson, il tient. Hein. Ouais. Même là, on voit, la caudale, c'est entaillé, mais ça tient. Et il fera encore un paquet de poissons. Donc, on a vraiment travaillé dessus pour avoir un leurre durable. Alors, bien sûr, il y a toujours le problème des tout petits brochets qui vont attaquer la queue et qui pourront, dans certains cas, malheureusement, couper court à la vie du Blaster Shad. Mm. Mais pour l'utiliser depuis quand même maintenant un bon moment, bien sûr, ça n'arrive pas tous les matins. Ok, je lis encore quelques-uns de vos commentaires. Yann qui nous dit que le Blaster Shad m'intéresse vraiment, il est tellement polyvalent, parfait pour le pike, je vais économiser un peu pour me l'offrir. Bravo pour ce travail de qualité, les gars. Fiche une très bonne marque, moi je suis adepte du Powertail, on va en parler dans quelques instants du Powertail. Mmh. On nous demande également pour l'ouverture truite, etc. Donc je pense qu'on va devoir parler du Powertail. Combien de tailles différentes? J'imagine que c'était pour le Blaster Shad. Yann demande, on en a parlé, c'est deux tailles pour moment. L'instant. On a beaucoup de questions. Hein. Je reviens un peu du coin arrière, oui, je suis désolé. Mais parce que voilà, c'est la nouveauté 2021, on le répète chez Fish, ce Blaster Shad. Il y a Maxime qui nous demande, déjà testé le Blaster Shad sur le bar. Est-ce qu'en mer, on peut l'utiliser? Alors, on l'a testé et on a beaucoup de commentaires à ce sujet-là. On l'a testé peut-être pas dans les bonnes périodes. Pour le moment, nous, on a vraiment dédié ça à la pêche du brochet, donc dans des eaux pas si profondes, sur des pêches lentes. Pour le bar, sur les chasses, ça resterait encore un peu plus testé. D'accord. Voilà. Pour le moment, nous, en toute transparence, on n'a pas fait tant de poissons que ça dessus, mais on attend que de voir ce que ça va donner. Pour les utilisateurs qui, justement, le testeront. Ok, il y a Mehdi qui demande combien de grammes pour le Blaster Shad on peut pêcher dans 1 ou 2 mètres de profondeur. Il faut que voilà, les players bloquent dans 1 ou 2 mètres de profondeur. Qu'est-ce qu'il met comme... Alors, ce sera à lui d'utiliser, d'essayer. De toute façon, on le voit tout de suite. Hein. On change les oui. petites masselottes, mais bon, après... Exactement, les player blocks permettent de pêcher, en fait, de permettre d'adapter la vitesse de récupération et ou la profondeur. Mm-hmm. Donc, quand on est tout en plastique, c'est vraiment pour pêcher très, très lentement et près de la surface. Et plus on va rajouter des player blocks en zinc qui font 3 grammes pièce, là, plus on va pouvoir pêcher profondément ou alors rapidement. Mm-hmm. Et on peut atteindre dans cette configuration-là, donc avec les 4 player blocks en zinc de 3 grammes, on peut atteindre des profondeurs jusqu'à 8 mètres à condition qu'on pêche du bord et qu'on pêche vraiment lentement. D'accord, ça répond à la question d'Eric justement qui nous dit avec 12 grammes de zinc, on descend à quelle profondeur? 8 mètres en pêchant lentement, mais du bord. Mais si tu vas aller pêcher en bateau avec une dérive, avec du vent, là tu vas pêcher moins profond, tu vas pêcher dans 4-5 mètres on va dire confortablement, et même avec beaucoup de vent des fois on peut se retrouver à mettre les 4 player blocks en zinc pour pêcher dans 1 ou 2 mètres encore une fois là on parle aussi d'eau stagnante, tu vois, oui. On parle de lacs, de gravières, de ces milieux là mais si tu vas pêcher en fleuve ou en rivière tu vas devoir mettre plus de player blocks en zinc pour s'y adapter. D'accord. Donc okay. C'est pour ça que c'est vraiment le but c'est de s'adapter à toutes les conditions parce que quand on est en échange avec beaucoup de pêcheurs de brochets, on a tous nos têtes boules ou nos autres têtes de grammage différents qui correspondent à un lac en particulier et même parfois à une zone de ce lac en particulier. Donc là, l'avantage du Blaster Shad, c'est que c'est au bord de l'eau, très rapidement. Hein. C'est vraiment le but. On a fait cette agrafe-là pour ça, c'est qu'en quelques secondes, vous pouvez déclipser, vous pouvez changer et là, vous mettez vos autres player blocks un peu plus légers, un peu plus lourds et puis vous adaptez. Mmh. Et ce qui est même surprenant, c'est qu'on s'est rendu compte que dans des zones où on passait bien sans accrocher les fonds, le fait d'enlever parfois juste un player block en zinc et pour rendre le leurre un peu plus planant, ça suffisait à déclencher la pêche. À chaque fois qu'on enlève un player block en zinc, on le remplace par un plastique. C'est obligatoire, ça? Alors, sinon, ça doit altérer, j'imagine. Obligatoire, non, on va pas dire que c'est obligatoire, mais on le conseille fortement. D'accord. Pourquoi le Blaster Shad? On s'est rendu compte que
le fait d'avoir un leurre qui puisse décrocher facilement, en fait, le fait d'avoir un leurre qui soit instable, faisait qu'il était plus efficace. Donc, quand vous laissez des espaces vides dans la tête, vous mettez de l'air, en fait, il y a de l'air qui se met, et là, ça le rend vraiment instable pour l'utilisation. Donc, c'est pour ça qu'on conseille toujours de remplir la tête, soit avec des player blocks en plastique, soit en zinc, mais ne pas de laisser d'air. C'est pour avoir le leurre le plus stable possible. D'accord. Il y a Thomas qui nous pose une question un peu d'ensemble, peut-être pas que sur le Blaster Shad. Est-ce mieux d'accrocher le bas de ligne directement sur le leurre plutôt qu'une agrafe? Donc là, j'imagine qu'il parlait peut-être du Black Minnow aussi. Ça dépend de tous les pêcheurs. Moi, à titre personnel, je préfère avoir une agrafe sur tous les leurres souples, tout simplement parce que je trouve que la nage est meilleure. Ça donne plus de mobilité à la leurre. Moi, à l'inverse, enfin, sur des leurres à brochet, j'utilise souvent des agrafes. Après, tout ce qui va être pêche en eau très claire, quand le temps est très calme en été, je préfère ne pas mettre d'agrafe. Pas forcément pour le blaster, mais pour des leurres type Mad Digger ou Black Minnow sur des pêches plus fines. J'aime mieux éviter d'avoir la vibration de l'agrafe. D'accord. Je trouve que ça occasionne une vibration, un aspect visuel aussi qui est moins naturel et j'essaie de tout optimiser. Comme quoi, ça dépend de tous les pêcheurs. Bad ligne fin, moi, pas d'agrafe. Gros bad ligne, une agrafe, ça ne me dérange pas. Je reviens sur le Black Minnow parce qu'on était parti un peu sur le Blaster Shad parce qu'il y avait beaucoup de questions sur le Blaster Shad, évidemment. La tête en zinc aussi, c'est pour le Black Minnow ou je me trompe? C'est pour le Black Minnow. C'est pour le Black Minnow, hein, c'est ça, parce qu'on n'en a pas parlé. Et ça, c'est une innovation aussi récente. Hein. C'est très récent, c'est pareil, ça devrait… Alors, je ne sais pas où on est au niveau… Je vais te mettre sur la caméra, voilà, la belle caméra. Voilà, donc là, c'est la tête Zinky. Voilà, donc c'est une petite tête qui est sans plomb, qui est faite en zinc. Donc, c'est une prouesse quand même de réussir à faire ce genre de tête. Ça a été vraiment quelque chose de difficile. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a faite en zinc? Tout simplement parce qu'il y a certains milieux et certains pays, certaines régions où l'utilisation du plomb en eau douce commence à être réglementée et même interdite. Donc, on a voulu proposer cette tête-là dans un autre matériau que le plomb. Et donc, du coup, on l'a fait en zinc. L'avantage du zinc, c'est que c'est moins dense que le plomb. Donc, pour avoir une tête aussi lourde comparativement au plomb, il faut mettre un plus gros volume. Donc, sur les têtes, quand on veut faire lourde, c'est compliqué. Mais par contre, pour des têtes qui ont pour vocation de nager dans peu d'eau ou en pleine eau, ça fait des leurres qui sont beaucoup plus planants. Donc, c'est vraiment une action qui est vraiment intéressante. Et du coup, il n'y a plus de plomb. Donc, on propose une alternative. Pour les distinguer, toute la gamme Zinky a un petit liseré vert fluo en dessous. D'accord. Voilà, vert UV. Et c'est moins polluant ou ça n'a rien à voir ou... Alors ça, on ne veut pas rentrer dans ces débats-là. C'est plutôt des débats politiques, on va dire. On ne sait pas. On ne sait pas, en fait, l'impact qu'aurait le zinc au fond de l'eau. Ouais. Ce qui est montré, c'est que le plomb en tête plombée est inerte. Donc, d'accord, la pollution du plomb est visiblement nulle, okay, par rapport à tout ce qu'on nous dit. C'est, d'accord, les oxydes de plomb, en fait, qui sont polluants et qui sont toxiques et dangereux pour la santé. Donc, voilà. On propose une alternative pour les gens qui n'ont pas le choix dans certaines régions d'Europe que de pêcher avec autre chose que du plomb. D'accord. On trouve ça très intéressant d'un point de vue pêche parce que justement on a un leurre qui est beaucoup plus planant, une action qui est complètement différente, donc ça permet d'encore d'augmenter les possibilités de pêche. D'accord. Mais on ne va pas aller à dire que le plomb est toxique ou que le zinc l'est moins. D'accord. Ça, okay, c'est pas notre travail. Il y a Juan en tout cas qui nous propose de la céramique pour éviter la pollution en tête, La céramique, ça reste léger. Ça va être fragile, non, aussi ou, je sais pas. Ça peut être fragile, on a vraiment... Parce que là, on parle, attention, à un docteur, je crois... Moi, c'est matériaux composites, polymère. En matériaux composites, polymère, voilà. Donc je suis plus plastique que métallurgique. J'imagine que tu connais un peu toutes ces différences. Ben, en tout cas, il y a vraiment pas mal de choses à faire. La complexité, c'est de réussir à faire une tête plombée avec un hameçon dedans ou avec le système d'attache pour nous du Black Minnow. Donc, on se pose des questions, on cherche, on continue de travailler sur d'autres pistes. Donc, il y aura peut-être d'autres choses qui arriveront plus tard à ce niveau-là. D'accord. Mais en tout cas, le zinc, ça nous paraît être une super proposition pour, comme substitut au plomb. Après, le seul bémol, ça va être le prix. Ouais. Voilà. Okay. Une tête en zinc coûte plus cher qu'une tête en plomb. Okay. Donc, nous, on essaie de faire un autre maximum pour proposer quelque chose au meilleur tarif. Mais la gamme Zinky sera comparativement plus chère aux têtes en plomb. D'accord. Et après, pareil, par rapport au zinc, mais par rapport à d'autres matériaux, à chaque fois, nous, on développe des produits, mais on n'est pas fabricant, on n'a pas d'usine à Brest. Peut-être dans 20 ans, on aura une usine, je ne sais pas. Mais... Et on fait aussi avec les contraintes que nous proposent nos fabricants. Donc, des fois, il faut aller chercher des fabricants. Et c'est aussi un travail important autour de la R&D, de trouver le fabricant qui fait ce qu'on veut
Et puis dans les bonnes conditions. Dans les bonnes conditions. C'est une des forces de Fish et je pense que on peut en parler, vraiment librement et avec fierté. C'est que nous, on sélectionne nos fournisseurs. On fait en sorte de travailler avec des personnes qui travaillent dans des bonnes conditions, même si c'est fabriqué en Chine, il ne faut pas croire. Ouais. La Chine, aujourd'hui, il y a des très belles usines qui travaillent dans des belles conditions, en respectant quand même l'environnement, en respectant les travailleurs. Et nous, dans notre travail de recherche de fournisseurs, on travaille avec ces gens-là. On ne va pas travailler dans les ateliers clandestins qui sont décriés, qu'on peut voir dans certaines vidéos en Chine. Il y a de très belles entreprises en Chine, avec vraiment des relations d'amitié qui se créent au fil du temps. Et nous, c'est ces relations-là qu'on veut pousser et qu'on veut mener avec un respect au maximum de la personne et de l'environnement. C'est plutôt une bonne nouvelle et une bonne idée de la part de Fish. Il y a beaucoup de questions en commentaire également sur tout ce qui est un peu éco-conception, etc. On va en parler à la fin de ce live si vous le voulez bien. Mais je crois qu'il faut qu'on dise quand même un petit mot aussi du Powertail. Parce que il y a bientôt l'ouverture de la truite, ça va être le 18 mars de mémoire. Je l'avais noté quelque part parce qu'on s'y perd un peu avec tous les samedis. Ce sera mi-mars, peut-être le 13 mars, j'ai noté. Le 13 mars, l'ouverture de la truite en première catégorie. Oui, il faut déjà noter la date sur son petit calendrier. Et le Powertail, pour le coup, est vraiment, parce qu'il y a des gens qui s'y intéressent également dans nos commentaires sur Facebook, un leurre pour la truite, pour la perche également, pour l'ASP aussi, on va en parler. Je crois qu'une des nouveautés aussi 2021, c'est un Powertail avec un hameçon simple qui est vraiment pour la troutaria, c'est ça vous avez, ouais, vous avez. Il y a plusieurs petites choses. Je parle de l'aria, tu parles de l'autre. Vas-y. Donc on a une grande nouveauté cette année, c'est le Powertail Area. Alors l'area, c'est un nouveau parcours de pêche, c'est une nouvelle tendance de pêche qui vient pas mal du Japon, qui est très populaire en Russie, chez nos voisins italiens. Et qui se développe vraiment un maximum, qui consiste à pêcher des truites arc-en-ciel qui sont mises dans des lacs. Oui, je parlais d'ouverture, donc, ça n'a rien à voir avec l'ouverture. Ça n'a rien à voir, c'est plutôt une pêche. On parle de truites déjà, voilà. Dans un premier temps, après on parlera d'ouverture. C'est plutôt une pêche hivernale, et ce qui est vraiment prenant dans cette pêche-là, c'est que c'est des pêches sous forme de duel. Donc ça ne paraît pas comme ça au départ, on se dit, ouais, pêcher des truites arc-en-ciel, non. Mais quand on fait la compétition, on est en face, on a quelqu'un à côté, on a un temps, un chrono, on pêche la même zone, et le but c'est de prendre plus de poissons que l'autre pour. Et là, vraiment, quand tu essaies une fois, bah, tu en trembles tellement, tu as envie en fait, de prendre ces poissons-là. Donc, il y a vraiment une vraie dynamique autour de ça qui a été mise en avant au sein de la Réa Cup par copain Guillaume Vernet là, et toute son équipe dans le Cantal et qui est en plein essor. Et donc, nous, on a voulu se prendre au jeu, développer en fait, une version du Powertail pour ces truites-là, pour cette pêche-là spécifique. Donc, c'est pour ça qu'on a sorti la version XUL. Donc, c'est un Powertail 30 mm, comme on en a déjà, mais c'est un grammage et un équilibrage qui est revu, justement pour pêcher en eau, c'est dans des retenues d'eau, donc en eau stagnante, et avoir une action vraiment spécifique. Donc, avec 1,5 g, hein, c'est ça, le poids. 1,5 g, ouais. Ce qui est un poids classique pour les leurres de l'area, donc pas vraiment destiné à la pêche en rivière, il va décrocher plus facilement, c'est vraiment un leurre qui est fait pour pêcher en eau stagnante, qui va être très bon sur les perches aussi. Et l'idée, c'est vraiment de s'amuser avec des petits leurres sur des poissons survitaminés. Okay. Donc voilà. Et du coup, effectivement, on a développé un hameçon simple. Donc cet hameçon simple, il n'est pas que pour l'area. On le vend aussi en pochette. C'est un hameçon simple qu'on a développé pour le Powertail 30 mm. Donc c'est quelque chose qu'on nous demande depuis très longtemps de proposer un hameçon simple pour nos Powertail, pour la pêche de la truite. Pareil, il y a beaucoup de parcours maintenant qui sont en no-kill avec un hameçon simple sans ardillon obligatoire. Il y a beaucoup de gens qui, par conscience, préfèrent mettre un hameçon simple qu'un hameçon triple pour pêcher à la truite. Donc, on a travaillé longuement, toujours avec VMC, nos copains de VMC, pour développer cet hameçon-là, qui permet de lancer sans s'en mêler. Donc, on n'a pas l'hameçon qui passe sur le dos, on n'a pas l'hameçon qui se prend dans la ligne. Et donc, vraiment, on a eu un gros travail dessus. Donc, cet hameçon-là, il est assez technique. C'est un hameçon qui a un revêtement téflon. Donc, ce revêtement-là, il est fait, c'est une technologie qui est issue de la carpe. Clément pourra en parler, il est carpiste, il connaît ça depuis longtemps, qui n'était pas trop présent à la pêche au leurre, mais ça permet de ferrer le poisson plus efficacement. On a travaillé aussi sur la forme de l'hameçon, sur sa courbure, pour que vraiment éviter de décrocher les poissons. Et donc, on a aussi travaillé pour faire un hameçon très léger. Donc, pourquoi un hameçon très léger? Parce que sur les petits leurres durs, donc aussi bien sur le Powertail que sur les autres leurres à bavette du commerce, plus le leurre sera léger, plus vous mettrez un hameçon, et plus vous mettrez un hameçon léger, et plus le leurre nagera bien. Donc là, vous avez un super petit hameçon là, que vous pouvez utiliser aussi bien sur notre gamme Powertail 30 mm,
que ce soit Area ou notre gamme classique, mm-hmm. ou alors sur vos petits leurres durs de 45 mm, 50 mm pour la truite. D'accord, ok. Voilà. Donc, un bel hameçon qui a été fait avec VMC. Très bien. Et Clément ? Et après, on a cette année deux nouvelles couleurs. Ça, c'est un peu plus gros. Alors, là, on est plus sur l'ouverture truite, peut-être en première catégorie. Plus sur l'ouverture truite, ouais, okay. première catégorie. Je ne me trompe pas cette fois. Un wakasagi. Ouais. Donc, voilà, c'est un poisson au départ qu'on trouve au Japon, et wakasagi. Mais c'est un coloris vraiment classique. C'est un coloris universel. C'est joli. Et je l'ai dans ma boîte depuis 2 ans. Et c'est vraiment, je crois, le coloris qui m'a donné le plus de résultats, aussi bien sur le PowerTel, toute taille confondue. Donc, en fait, on a voulu l'amener, le proposer. C'est un coloris sur lequel on a travaillé pour émettre beaucoup de flash, donc qui fait réagir énormément les poissons. Et le petit côté mauve aussi, c'est souvent une touche qui est déclencheur. Là-dessus, on a même eu des très belles surprises cet été avec quelques truites de mer et vraiment des beaux poissons en taille et en nombre. Donc voilà, un petit coup de cœur pour ce coloris wakasagi pour la truite notamment. Je remarque en tout cas dans les commentaires que l'hameçon simple fait son effet. Voilà, donc, à découvrir de toute urgence. Ouais, il y a beaucoup de gens qui pêchent de plus en plus avec des hameçons simples peut-être. Voilà, le top d'avoir sorti un PowerTail en hameçon simple sur la truite, c'est qu'il est très fragile, une très bonne idée. Lionel qui nous demande est-ce que ces leurres est utilisé pour la rivière. Oui, pour la rivière. On l'anime comment ? On l'anime, c'est rapide ? On le laisse poser sur le fond ? Comment ça se passe un peu ? S'il parle de l'area pour la rivière, il risque de décrocher rapidement. Ouais. Donc la version XUL. C'est trop léger. La version XUL est vraiment trop léger. Pour l'area, voilà. Pour les temps. Pour, Après, voilà. Dans le 30 mm ou dans le 38 ou dans le 44, on a plusieurs densités qui existent. Donc on a 3 densités, le slow, le fast et le X-fast. D'un conseil général, il vaut mieux utiliser le slow. Le slow, c'est la version la plus polyvalente qui va vous permettre de pêcher donc, des petits ruisseaux à moyenne rivière pour le 30, d'accord. moyenne rivière à un peu plus grande rivière pour le 38 et de moyenne à grande rivière pour le 44, voire même la plus grande taille qui existe aussi, qui fait un peu plus de 60 mm. Donc voilà, utiliser la version slow, c'est un conseil vraiment qu'on voudrait donner pour pêcher en rivière. Si le courant est un peu plus fort, vous passez sur une version fast. Et si vous pêchez vraiment en lac de barrage ou des rivières très, très courantes ou très creuses, là, vous passez sur une version X-fast. D'accord. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour ce coup-ci, pour le PowerTail. J'avais oublié de présenter, si je peux me permettre, bien une sûr. Autre couleur. Oui. Le Wasabi Ayu. Donc, voilà, on retrouve un leurre avec coloré. Un dos vert, la petite tache jaune des Ayu UV. Et du coup, c'est une couleur qui nous a vraiment bien réussi aussi sur les truites. Moi, j'ai très bien pêché les perches aussi avec. Ouais. Et du coup, on a choisi de l'apporter aussi à la gamme cette année. D'accord. Voilà, je voudrais revenir là-dessus aussi, mais le PowerTail est principalement connu pour la pêche de la truite. Ouais. Et c'est vrai que dans sa conception, dans son développement, au départ, on l'a développé pour la truite. Mais en fait, c'est un leurre qui est excellent également pour la perche. Ouais, moi, je l'utilise pour la perche, aussi. Personnellement. Là, j'ai du mal à en faire avec, mais pour la perche, oui. Ça marche très, très bien. Et le petit secret avec le PowerTail, c'est que ce n'est pas un lipless, ce n'est pas une lame vibrante. Donc, il ne faut pas pêcher avec des saccades. Il faut juste faire un simple lancer ramené et à une vitesse modérée. Il n'y a pas besoin de le sentir vibrer très fort dans la canne pour qu'il fonctionne bien. Si on le sent vibrer trop fort, c'est qu'on va déjà trop vite. D'accord. Voilà. C'est vraiment le... Donc, vraiment, le PowerTail, son secret, c'est un lancer ramené tout doux pour qu'on le sent légèrement vibrer dans la canne et vraiment, utilisez-le dans tous les milieux. Ne le gardez pas que pour la truite. Parce que pour la perche l'été, pour les perches d'été, là, les chasses de juin, là, les fins de soirée, c'est vraiment merveilleux. Et vous mettez ça dans la main d'un enfant, il va faire ses premières perches et il sera vraiment ravi. J'ai pas vu, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires. Je ne peux malheureusement pas tous les mettre à l'écran. Mais on nous a dit à quand un leurre dur et on nous a demandé également enfin, encore quelque chose sur l'éco-conception, un leurre biodégradable, etc. Et je crois qu'on peut associer ces deux questions peut-être à une réponse. Vous êtes en train de travailler, et ça, alors là, j'insiste, c'est quand même une excu qu'on va vous proposer ce soir sur le salon virtuel de Fish. Une excu avec la présentation d'un nouveau leurre. Alors, il n'est pas encore sorti, il est en plein développement. Vous allez nous le montrer à l'écran si vous le voulez bien, et puis nous expliquer. Ça va faire plaisir à pas mal de monde qu'on montre ce leurre-là. Alors, on le montre aujourd'hui parce qu'on en a parlé l'an dernier sur les salons, ouais. en disant qu'on travaillait vraiment dessus. Donc, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 3 ans maintenant, qui nous tient vraiment à cœur. On espérait pouvoir l'avoir au catalogue dès maintenant. Ce n'est pas le cas. On va expliquer pourquoi un peu plus.
Quel suspense. Mais voilà. Montre le leurre, il est dans la main. Voilà. Donc, voilà. Là, avec un petit stick. Un petit stick flottant. Ouais. Qui s'appellera le Biotop Stick. Donc, le bio Biotop Stick. Biotop Stick, d'accord. Donc, un petit leurre de surface. Je sais que ça fait longtemps que vous nous le demandez, donc on travaille dessus depuis longtemps. Pourquoi ? Pour l'asp, le brochet, la perche, c'est bien, c'est passe-partout. Hein, c'est... Alors nous, on est quand même, breton, en tout cas la société est bretonne, donc on est ancré sur un territoire breton. Donc voilà, nos leurres qu'on développe, on tient à cœur aussi notre image de pêche en mer. Donc le leurre surface est vraiment quelque chose de très utilisé en mer. Donc à la base, on a développé ce leurre-là pour la mer. D'accord. Après, dans l'équipe, on est quelques pêcheurs d'eau douce aussi passionnés et on a eu d'excellents résultats aussi bien sur la perche que sur le brochet pour les espèces qu'on a près de chez nous. Donc, ce leurre-là, la grande particularité, donc c'est un leurre de surface hein, sur lequel on a pas mal d'arguments comme les distances de lancer, la petite sonorité qui est différente que de beaucoup de leurres, mais surtout, sa grosse différence, c'est la matière dans laquelle on la fabrique. On l'a fabriqué ou en tout cas, on essaie de le fabriquer. Donc, c'est une des seules matières qu'on a identifiées au monde comme étant biodégradable en mer. D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, dans les bioplastiques, l'éco-conception, le biosourcé, bioplastique, on entend plein de choses. On entend vraiment beaucoup de choses, mais il y a des petites notions toutes simples à connaître. La première, c'est qu'un bioplastique, il peut être biosourcé et ou biodégradable. Biosourcé, ça veut dire qu'il est fait sans pétrole. D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose, un premier pas, c'est de réussir à faire des plastiques sans utilisation de pétrole. C'est le cas pour celui-ci. Celui-ci, vraiment, il n'y a pas du tout de pétrole dedans. Donc, c'est un plastique dur, comme on en voit d'autres, mais ce n'est pas fait avec du pétrole. D'accord. C'est fait avec du maïs, principalement. D'accord. L'autre chose. C'est génial. L'autre chose, c'est dit tout simplement, il est fait avec du maïs. Voilà. Il y a un peu de travail dessus, mais. OK. Et l'autre chose, c'est le critère biodégradable. On entend beaucoup de choses aujourd'hui et dans tous les milieux. Notamment dans les capsules de café ou de ces choses-là, je pense que tout le monde l'a remarqué. Mais le critère biodégradable, c'est quelque chose de très flou, parce que c'est quelque chose qui est très lié à l'endroit où le leurre va finir sa vie, où l'élément va finir sa vie. Et aujourd'hui, les seules normes qui existent, c'est le critère biodégradable, soit en compost à la maison, soit en compost industriel. Alors, ça, c'est quelque chose qui est déjà pas mal, mais si vous perdez un leurre dans cette matière-là, dans la mer, il ne dégradera jamais. Ou alors sur une cinétique qui sera aussi lente que les autres plastiques. Parce qu'il n'aura pas, il ne sera pas dans le compost avec les bactéries du compost, la chaleur du compost, l'humidité et tout ça, et pas dans la terre. Donc nous, on a cherché une matière qui avait cette capacité-là à se biodégrader en mer ou en eau douce, c'est plus difficile en mer qu'en eau douce, et qui va donc vraiment naturellement être ingérée par les petites bactéries et va être digérée par les petites bactéries sans les faire mourir. Parce que ça, c'est le troisième point important, c'est l'écotoxicité. D'accord. Donc voilà, on travaille sur ce leurre-là depuis un moment maintenant. Ouais. On a trouvé une matière qui nous permet de faire un leurre dur. Hein. Là, j'ai pris le tout premier proto qui a maintenant un an et demi pour montrer qu'il a pêché, mais il a encore des défauts. Voilà. Donc celui-là, il a vraiment pêché. On est vraiment sur du vrai prototype démonstrateur. Et donc, on est sur vraiment une matière qui est biosourcée à 100%, qui a été qualifiée dans certaines applications comme biodégradable en mer à 100%. D'accord. Et on parle du leurre, hein, on ne parle pas des hameçons ou des équipements, c'est juste. On peut en parler après si tu veux. Là, on parle du plastique. D'accord, ok. Et qui aussi a été identifié comme ayant une écotoxicité nulle ou en tout cas moindre. L'écotoxicité, c'est quand ton leurre se dégrade en mer, il libère des choses qui peuvent faire mourir les bactéries, les êtres vivants, les poissons qu'il y a autour. Donc voilà, on est vraiment sur une matière qui nous paraît top sur le papier. Donc là, maintenant, les étapes où on est, c'est de réussir à finaliser, parce que ce n'est pas si simple en fait, de fabriquer un leurre dans cette matière-là. Et donc, on est encore face à des petits problèmes de production, on va dire, de production de masse pour pouvoir vous le proposer. Et on est aussi dans les étapes de certification. Tout ce qu'on vient de vous dire, on va le vérifier. On travaille avec un laboratoire pour pouvoir vérifier toutes ces étapes-là. Justement, on nous demande en combien de temps il se dégrade en fait en mer. Est-ce que vous avez déjà une idée? Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée? Pour le moment, on ne veut pas s'avancer dessus. On va faire les analyses propres pour vraiment pouvoir le prouver. On a des leurres qui sont justement en train de... Qui sont mis à la dégradation. Mais vous en avez mis dans de l'eau de mer, c'est ça? Et vous regardez tous les jours tous les jours, on va voir tous les mois. Donc, c'est quelque chose qui est assez long. Parce qu'en fait, dans le processus, d'abord, votre leurre, quand vous allez le perdre en mer, il va être ramené par les vagues sur le bord ou il va finir dans le fond, en fait, la houle va le ramener sur le bord. Et là, il va s'éroder, il va être fracassé contre les rochers, il va s'éroder, il va se dégrader. C'est-à-dire qu'il va finir en petits morceaux.
et ces petits morceaux-là vont être attaqués et mangés par les bactéries. Et là, après, on oublie le leurre. Quand on le met dans une boîte, dans de l'eau de mer, par exemple, il n'y a pas la dégradation. Il y a la bioassimilation, le fait qu'il soit mangé par les bactéries. Mais ça, c'est quelque chose qui est très lent. Mmh. Quand c'est des petits morceaux, il peut y avoir des bactéries tout autour. Donc, ça va plus vite que quand il est attaqué que d'un point de vue extérieur. Donc, on va vraiment aller au bout de notre démarche. On va faire toutes les analyses qu'il faut. On a vraiment cœur à faire ça. D'accord. Et du coup, voilà. On tiendra au courant, bien sûr. Ouais, alors, on nous demande déjà combien le grammage, etc. Est-ce que ce sera avec des hameçons simples, avec des hameçons tri, mais tout ça, vous ne le savez peut-être pas encore. C'est que si, des prototypes. C'est quand même assez avancé. Ben, ouais. Là, je vous ai montré. Hein. Dans le concept, on a voulu aller sur des hameçons simples. Parce D'accord. que les hameçons triples sur les leurres dures, c'est quand même c'est très courant d'avoir des triples dans les yeux des poissons, sur les ouïes, et on trouvait que ça ne collait pas bien avec ce concept-là. D'accord. Okay. Rien n'est figé, mais pour le moment, on était plus parti pour faire de l'hameçon simple. Au niveau du grammage, on est autour de 15 grammes. On est sur une taille, un poids classique pour un leurre de cette catégorie-là. Ok, on nous demande aussi, j'adore le bruit, combien est-il de billes à l'intérieur ? Ah là là, ça c'est. J'ai plein de questions. Ça, je me doute. Non, je ne vais pas tout dévoiler maintenant. On vous dévoilera un petit peu plus quand le projet sera avancé. Mais en tout cas, voilà. Vous nous demandiez un leurre depuis longtemps. On vous avait annoncé qu'on était à fond dans l'éco-conception et qu'on avait essayé de repousser les limites au plus loin. Eh bien, on vous montre aujourd'hui qu'on touche presque cet objectif du doigt là, avec un très beau produit. On espère qu'il arrivera bientôt sur le marché. Après, peut-être un an, peut-être deux ans. C'est... On le lancera quand il sera prêt. D'accord. On n'annonce pas de date pour l'instant. Non, pour nous, vraiment, ce qui compte, c'est d'être sûr à 100% que tous les pêcheurs sont contents avec, comme chacun de nos produits. Donc, on le lancera vraiment quand on le sentira qu'il sera prêt. Et les hameçons seront aussi biodégradables, nous demande-t-on. Mais ça, c'est la question que je posais tout à l'heure. C'est deux choses qu'on peut distinguer. Donc, sur un leurre plastique, hein, tu as une partie qui est organique. Tu as la matière organique, qui sont les plastiques. Et tu as la matière minérale, donc tout ce qui est hameçon. Donc, ce qu'on a fait, nous, dans celui-là, pour pousser le vis au plus loin, c'est qu'on a tout mis en acier. Donc, en fait, ça va rouiller. Ok, d'accord. Même pour l'histoire, une fois, j'ai perdu un leurre sur un lac en plastique, en ABS. Louis l'a retrouvé quelques mois après, il n'y avait plus d'hameçon. Ouais. Mais il y avait encore le plastique. Quoi. Et voilà, la dégradation sur le métal se fait très, très vite. Même malheureusement, pour certains pêcheurs, c'est que les hameçons, naturellement... Et tu vois, là, c'est la couleur naturelle du leurre. Donc, la sonorité est vraiment différente. Hein. Je dirais qu'il y a deux billes, non ? Je ne sais pas. Une bille ? Deux billes ? l'ouvrir. On en dévoilera un peu plus prochainement. Ouais, non, c'est cool, c'est cool. On espère arriver très vite avec ce produit-là, parce que vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et même si le parcours n'est pas simple pour arriver à cet objectif-là, on espère. Et alors, réussir. On nous en demande toujours plus parce qu'on nous demande est-ce que l'emballage du leurre sera lui aussi biodégradable ? Est-ce qu'en Chine, l'empreinte carbone, effectivement, est-ce que ça ne va pas faire que le côté bio de ce leurre s'annule ? Voilà, il y a beaucoup de questions. On va tout faire un petit peu, si tu veux. On ne fait pas après, j'imagine, mais il faut aller doucement. Quoi. Mais c'est déjà, franchement, c'est une première mondiale. Quoi. Je ne connais pas de leurre dur qui soit biodégradable. Quoi. Alors, il y en a qui ont fait dans des matières qui sont biodégradables, mais en compost industriel. Ouais. Donc, dans ce cas-là, si tu le perds en mer, ça ne change rien. D'accord. Ton leurre, il va rester là pendant très longtemps. Nous, effectivement, on pense vraiment être sur la... En tout cas, on pense être à la pointe. Et ça, c'est aussi parce qu'en France, on a un vrai savoir-faire dans ces biomatières avec autour de nous vraiment des équipes de chercheurs qui sont vraiment à la pointe de ça. Et du coup, on a vraiment cette richesse culturelle en France, que ce soit sur le composite ou sur les plastiques, d'être vraiment à la pointe mondiale de ce qui se fait. Donc, c'est pour ça aussi que ça rend possible et nous, Fish, on était obligés d'aller là-dedans. Quoi. D'accord. Après, pour le packaging biodégradable, c'est une remarque que je trouve intéressante. Alors, nous, on s'est posé la question, mais en fait, dans l'éco-conception, ce qui est vraiment important de voir, c'est le cycle de vie de ton produit. Donc, quand tu achètes ton leurre dans ton magasin, ton packaging, tu l'as avec toi, t'es pas obligé de le jeter dans l'eau. Mm-hmm. Donc, en fait, faire un packaging qui soit biodégradable, il n'y aurait pas un réel intérêt parce que ça inciterait les gens à le jeter dans la nature. Et D'accord. ça, nous, on ne le veut pas. D'accord. Ce n'est pas le but non plus. Alors que ton leurre, en fait, malheureusement, si tu le perds, ce sera forcément dans l'eau. D'accord. Et donc là, on veut le faire biodégradable parce que ça a du sens. D'accord. Par contre, faire un packaging recyclable, comme on est en train de l'avoir sur presque tous nos produits, ça, c'est quelque chose qui a de l'importance pour nous. Mm-hmm. Donc là, sur ce leurre-là, on aura un packaging qui sera recyclable où on travaillera pour que l'empreinte écologique soit la plus faible possible en travaillant sur les encres qu'on utilisera, sur le papier qu'on utilisera,
mais ce sera un packaging qui sera recyclable et non biodégradable. D'accord. Ou bien sans emballage, nous proposons. Comme ça, c'est fait. L'emballage, voilà, c'est des idées, l'emballage ouais. a toujours une importance. Donc, ouais. Nous, on y tient assez. Mais un packaging qui soit recyclable, ça reste à une empreinte écologique qui soit nulle si on le conçoit proprement. Je crois que j'ai fait gagner 6 Blaster Shad depuis le début du direct. Donc il en reste 2. Il en reste 2 à gagner. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit commentaire, vous avez une petite question à poser, et puis après on se quittera comme ça, parce que voilà, on a parlé d'à peu près tous les leurres. On vous a présenté une exclue avec ce nouveau leurre qui arrivera dans 1 ou 2 ans. Hein, j'ai bien noté. Peut-être avant. La date. On sait pas. Peut-être avant aussi. On ne sait pas. Eh ben, là, on a quand même un leurre, tu vois, qui prend du poisson, qui est fonctionnel. Donc voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera. On a des petits soucis de pour avoir une qualité vraiment au top, mais on ne sait pas. On travaille dessus en tout cas. J'attends encore des résultats là, des résultats dans les prochains jours. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera. Bon, il y a Lionel Coulon qui nous dit qu'il a une place dans sa boîte. Donc on va lui offrir un Blaster Shad s'il a une place dans sa boîte. Voilà, on va lui offrir un Blaster Shad. Je vous sélectionne comme ça des petits commentaires. Hein. Il y aura d'autres salons virtuels, il y aura d'autres leurres à gagner ces prochaines semaines. Là, on est chez Fish aujourd'hui. Voilà, donc un Blaster Shad pour lui. Allez, Nicolas Duval, s'il y en a en trop, bah oui, il y en avait un en trop. Donc il est pour Nicolas Duval. Voilà, je prends vraiment au hasard. Je suis désolé, je ne peux pas faire gagner tout le monde. Mais j'essaie de regarder un petit peu ceux qui commentaient et puis passer un maximum de commentaires pour vous faire gagner ce fameux Blaster Shad. On peut le remontrer à l'écran, le Blaster Shad, parce que c'est vraiment la nouveauté 2021. J'ai envie qu'on le remontre. Un petit Fire Tiger. Voilà, bah c'est super. Il est magnifique. Il est magnifique. Il existe en 2 tailles, en 4 coloris pour l'instant, mais il y aura évidemment beaucoup, beaucoup d'autres coloris, j'imagine, dans les prochains mois, dans les prochaines années. En tout cas, c'est un leurre qui marche terrible. Messieurs, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au bout de ce salon virtuel. On a présenté un petit peu toutes les nouveautés de Fish. On vous remercie d'avoir été un petit peu les premiers sur ce salon virtuel. On a hésité à faire tenir le salon parce que voilà, il y a le couvre-feu, le Covid, etc. On a gardé les masques. On s'est dit qu'on allait le présenter aux gens parce que voilà, les gens sont chez eux à cette heure-là pour regarder tout ça. Donc on voulait vraiment, c'est une promesse de la pêche et des poissons, de Fish, de toutes les marques qui vont suivre pour les prochains salons virtuels. Vous proposer ce genre de contenu. On vient chez vous parce que les salons de Clermont, le salon de Nantes sont encore une fois annulés. Merci en tout cas beaucoup, lui et Clément. On va se quitter. Merci à toi pour l'initiative. Et merci à tous aussi pour vos questions. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler et présenter en fait notre travail et ce qu'on fait et en fait notre passion en quelque sorte. Quoi. Voilà. C'est un travail de passion. Et puis même si ce n'est pas facile en ce moment, on souhaite aussi une très bonne année à tout le monde quand on part en janvier. C'est vrai, on a le droit de faire encore les vœux. Partagez la vidéo en tout cas, parce qu'il y en aura 3 partages qui seront compensés d'un Blaster Shad. Je ferai un petit tirage au sort mercredi. Je vous tiendrai informé évidemment sur la page Facebook de La Pêche et les Poissons. Merci beaucoup. Ciao, ciao.